La vie d'un nouveau-né de la classe IMOCA n'a rien d'un océan de douceur, jugé plus tôt. À peine sorti du berceau, le Mono 60 Edmond de Rothschild a subi une batterie de tests plutôt éprouvants. De quoi rassurer son skipper sur la capacité du bateau à encaisser les coups durs avant le grand bain de la compétition. Voilà, on est au tout début, on est dans la campagne de découverte du bateau. On est à la cinquième sortie, donc on a encore à trouver nos marques, à trouver le potentiel de ce fabuleux bateau. À l'entraînement et face à la concurrence, Gitana 16 fourbit ses armes et attise la curiosité. Car le monocoque lancé par le baron Benjamin de Rothschild a d'ores et déjà prouvé sa capacité à atteindre des vitesses supersoniques. Quelques jours plus tôt, Edmond de Rothschild a offert un spectacle unique à ce jour dans l'histoire de la course au large. Dans 30 nœuds de vent établis et pour sa troisième sortie seulement, Gitana 16 a fait la preuve de l'exceptionnel effet turbo des dérives folles. Des sensations inédites pour Sébastien Josse et Charles Caudrelier, co-skipper du bateau pour la prochaine Transat Jacques Vabre. On a été assez bluffé par les performances du bateau à certaines allures. J'ai presque eu des sentiments d'être sur un multicoque à certaines allures. Ça commence à réagir comme un multicoque et c'est vraiment extraordinaire comme sensation. Ouais. Sébastien Josse va devoir s'y habituer. Gitana 16 est un drôle d'animal marin, à mi-chemin entre la baleine et le poisson volant. Edmond de Rothschild embarque avec lui un extraordinaire bestiaire. L'aigle et le lion des armoiries familiales, un poisson pilote fluo et surtout l'aileron tranchant d'un requin de carbone, fidèle et facétieux. Adapté pour la première fois des monocoques océaniques, les dérives foils constituent l'innovation majeure des 60 pieds de dernière génération. On voit le type dépasser derrière moi. C'est vraiment, plus le bateau va giter, plus il va se mettre à l'horizontale. Là, il n'y a pas beaucoup de vent, donc il est encore assez vertical. Et ça permet de créer du lift en dynamique qui sert à contrer le moment de gîte du bateau et donc à faire que le bateau se mette plus à plat et aussi se lève un peu de l'étrave. Et ce qui permet vraiment d'alléger et de sustenter le bateau. En limitant au maximum le contact de la coque avec l'eau, l'effet du foil s'ajoute à celui de la quille pendulaire. Le double effet booster libère alors une exceptionnelle puissance. Lancé à près de 30 nœuds, le bateau prend des allures de dragster. Les records de distance ne devraient pas tarder à tomber. On attend un gain assez conséquent aux allures débridées, dites débridées, c'est à partir du vent de travers jusqu'au vent arrière. Après, on sait que cet avantage au portant, on va le perdre au près, aux allures où on remonte face au vent. Et comme le bateau il est vraiment fait pour le Vendée Globe Challenge, qui est une course exclusivement de vent portant, on a typé le bateau et d'autres écuries aussi pour gagner cette fameuse course. Au petit jeu des statistiques du Vendée Globe, les 60 pieds équipés de foil pourraient gagner près de 4 jours sur les bateaux de la précédente génération. Mais en attendant le tour du monde, Edmond de Rothschild va d'abord livrer une bataille sur l'Atlantique à l'occasion de la Transat Jacques Vabre. Départ du Havre, direction le Brésil, le 25 octobre prochain.
L'ajout de technologie et Neck Plus Ultra de la géologie Mocha, Edmond de Rothschild est d'abord un voilier conçu pour affronter les pires conditions de mer et de vent. Plongé dans le ventre d'une bête de course, dont la première innovation est une casquette fixe et rigide, destinée à protéger le skipper. On a essayé de faire le poste de manœuvre le plus couvert possible pour pouvoir se reposer. Alors c'est au détriment de la vision, mais par contre sur le long terme c'est quand même beaucoup plus agréable de pouvoir travailler au sec, enfin relatif, plutôt que d'être sous les embruns et d'avoir les yeux à demi ouverts pour actionner les commandes. Il n'y a rien du tout ici, c'est tout noir, c'est pas peint pour des soucis de légèreté. Et puis le centre névralgique de l'intérieur, c'est vraiment tout est centré pour les poids encore. La table à cartes, le moteur, les batteries, tout est centré en un lieu assez petit. C'est une console simplement de navigation avec l'ordinateur, le clavier qui est séparé de l'ordinateur, la souris aussi. Les répétiteurs de la centrale de navigation, tout ce qui est électrique, interrupteur et tout ça. Le réveil, la commande de qui, tout ce qui est téléphonie, satellite. Tout est regroupé sur cette petite console légère en carbone. Voilà, on se dirige vers la soute à voile. Nous y sommes. Donc c'est une zone aussi où on a nos puits de foil. Et c'est une zone qui est très grande et qui permet de stocker beaucoup de voiles. Et là, on arrive vraiment dans la partie avant du bateau, en avant de la soute à voile. Et c'est une zone de vide où on ne fait rien. Il y a uniquement de la structure. En général, on met les poubelles dans ce coin-là. Voilà, donc là, on est sur le pont avant du bateau. Une des parties les plus importantes du bateau. On a toutes les voiles d'avant, donc qui vont vraiment faire avancer le bateau au maximum. Toutes ces voiles sont sur enrouleur, on peut les enrouler sur un câble. Et alors, plus en avant du balcon, on a le bout dehors qui lui va accueillir des jenakers, des voiles de portant ou des spies. Et sous le cockpit de Gitana 16, alors là, j'enlève la porte qui est un peu l'issue de secours du bateau qui permet de l'évacuer en cas de chavirage. Ça nous permet d'accéder au tableau arrière et de sortir du bateau, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers.